Maintenant, on va aller à la place rouge et c'est assez beau. Ça fond. Ça glisse partout. The peaceful sensation I had in my mind. There's no consolation in hugging goodbye. You look like an angel when thoughts come to mind. But no, no reason to go blind. We had it all but the freedom to fly. Fly away. I'm sorry, my darling, for leaving behind the peaceful sensation I had in my mind. There's no consolation in hugging goodbye. You look like an angel. Le goul et les musées. Je suis un peu proche là. Où ça? Ah oui. I'm gonna run
Hello, bon, c'est mon dernier jour à Moscou. Je suis désolée, j'ai pas trop filmé parce que en fait ma caméra, quand il fait froid, elle se bloque. Je pouvais pas filmer. Hier, j'ai essayé de filmer sur la place rouge et ça s'est complètement bloqué en fait. L'objectif, je pouvais plus allumer ou éteindre. Du coup, voilà, pas top top. Mais voilà, aujourd'hui, je vais aller dans un magasin bio que j'aime beaucoup à Moscou. Il est vraiment top, donc je vais essayer de filmer quelques petits clichés là-bas. La première semaine à Moscou, j'ai presque pas filmé parce qu'il faisait entre moins 24 et moins 12. Donc vraiment, c'était galère pour filmer. Rien que sortir le portable ou l'appareil de son sac, enlever ses gants, etc. Vous avez les mains complètement congelées après. Et la deuxième semaine, c'était mieux. Il a fait beaucoup moins froid, mais il y avait des fois la neige qui fondait. Ça faisait des grosses flaques et tout. Il faisait vraiment pas si froid. Il faisait moins 10. Bon, ressenti plus froid quand même avec le vent. Et j'ai filmé un peu sur la place rouge et les clichés que vous avez vus probablement avant. Et mon appareil s'est complètement bugué. En fait, il ne voulait plus s'allumer. L'objectif bugué. Donc j'ai filmé le reste avec mon téléphone. Ouais, donc bon. Un peu dégoûté. Aujourd'hui, c'est mon tout dernier jour à Moscou. Demain, on prend l'avion, on part sur Londres. Donc, je filmerai aussi là-bas. Et voilà, aujourd'hui, on va pas faire grand-chose, mais je vais aller dans un magasin bio cosmétique, en fait, qui est trop bien, que j'aime beaucoup. Je crois que ça s'appelle Organic Shop, un truc comme ça. Et je vais essayer de filmer un petit peu là-bas, c'est vraiment top, je suis déjà allée. Ils m'ont offert un petit thé et tout, quand je suis arrivée, c'était sympa. Donc il y a plein de choses, et il y a des trucs aussi qui sont de la marque du magasin, qui sont vraiment pas chers. Donc ça, c'est vraiment top, voilà. J'ai pas regardé encore la météo. Je vais voir. Donc là, il fait beaucoup, comme je vous ai dit, beaucoup moins froid. Ouais, il fait moins 7, je sais pas si vous voyez. Aujourd'hui, moins 7, donc top. Et il fait à peu près beau, soleil, nuages, etc. Et là, bon, bah, je pars demain, mais sinon c'était neige, tous les jours. Donc voilà, c'est cool. Je vais regarder combien de degrés il fait à Londres. Ah bah 7, donc on a carrément plus. Ah, les températures, rien à voir. 11, 12, enfin, c'est la même température sans le moins. En gros, c'est top. Quand même que vous avez aimé ce petit vlog à Moscou, donc ouais, je suis vraiment nulle pour vlogger dans la rue, mais j'ai quand même essayé de filmer un petit peu. Je n'ai pas beaucoup visité, je suis pas énormément sortie parce que j'étais surtout avec ma famille en fait. Donc voilà, j'ai pas filmé tous les monuments connus, etc. Mais bon, je voulais quand même faire une petite vidéo juste pour vous montrer un petit peu ouais, des petites choses sur Moscou. Donc j'espère que ça vous a plu quand même. Sinon, je suis complètement malade depuis plusieurs jours, je suis complètement enrhumée. Donc j'ai les yeux qui pleurent, le nez complètement bouché, je suis complètement prise. C'est mon neveu qui était malade, je pense qu'il m'a refilé son truc. Du coup, moi pareil, je suis restée quelques jours, on n'a pas trop bougé quoi. Et bon, là ça va un petit peu mieux, mais voilà, je suis encore complètement enrhumée. Et je voulais vous filmer des vidéos, mais du coup, voilà, j'ai pas trop pu. Quand je reviendrai, du coup, je vous filmerai, je pense, une vidéo sur 20 faits ou quelque chose comme ça sur Moscou. Voilà, de manière générale. J'hésitais à faire une vidéo sur un peu mes adresses, etc. Mais je sais pas, parce que vous pouvez trouver toutes ces choses dans des guides, etc. Du coup, je pensais vous faire plutôt une vidéo un peu sur voilà, 20 faits ou 20 petites choses sur Moscou. Voilà, donc des petites choses, des petites anecdotes rigolotes, des petites choses que j'ai remarquées ou des faits un peu plus pratiques, etc. Donc voilà, je vais essayer de noter tout ça et vous faire la vidéo tout à l'heure. Mais là, je vais me préparer parce qu'on va partir et je vais vous montrer le bio shop. Là, il fait assez beau. Vite fait, ma vie. On voit qu'il y a beaucoup moins de neige, ça a fondu. Parce qu'avant, là c'était tout blanc. Et il fait assez beau. Donc, je vais vous montrer... quand on part, tout le l'attirail, donc bien sûr bonnet, gants, je mets bottes de neige, ma grosse veste et une écharpe bien sûr. Donc j'ai ça, je
vais prendre avec moi. Enfin, je vais prendre une guitare aussi. Et c'est parti. Voilà. Le manteau, le mien vient de chez Zara. C'est celui-ci. Voilà, qui est super bien pour ce genre de température. Et voilà, du coup, ouais, l'écharpe, en fait, qui est à ma sœur que je suis empreinte. Donc, écharpe, gants, bonnet, la big manteau, big parka, petit sac et mes bottes. Je vais vous montrer ça. Et bottes de neige. It's a Monday kind of feeling on a Tuesday afternoon. I can hear Wednesday calling, but then Thursday comes too soon. And by Friday, I'm ready for a Saturday affair. 'Cause on Sunday, I'll be happy. The afternoon is here. It's a Monday kind of feeling on a Tuesday afternoon. I can hear Wednesday calling, but then Thursday comes too soon. And by Friday, I'm ready for a Saturday. Parce que là c'est écrit en français et il y a le drapeau français. Ça vous va aller. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai acheté dans le Organic Shop. Désolée pour le bébé. Voilà, j'ai pris ça. Je vais vous montrer le sac où il y avait des affaires. Et j'ai beaucoup pris les trucs de cette marque qui a l'air trop bien. Elle était pas trop chère. C'est bio et vegan. Donc, hop, je vais sortir les choses. Alors tout d'abord on a ça, c'est un masque pour les cheveux et c'est donc Organic Kitchen, donc c'est la marque du shop et c'est vraiment pas cher, c'est 53 roubles, donc genre 50, 70 centimes, je sais pas, enfin vraiment pas cher. Et ils ont plein de choses, genre crème pour le visage, crème pour le corps, scrub, shampoing, tout ce que vous voulez, ils ont tous le même format et c'est vraiment pas cher et vous avez quand même 100 ml. Donc ouais, c'est assez cool. Ensuite j'ai pris une huile d'argan. Oups.
Donc j'ai pris voilà cette marque, hein, je connais pas, Planeta Organica, et donc c'est de l'huile d'argan. On voit là 100% bio, et je l'ai vu dans les ingrédients. Voilà 100% huile d'argan. Donc voilà, et ça, c'était pas trop cher, hein. C'était vraiment tous les produits que j'ai pris, c'était dans les 300-200 roubles. Ensuite j'ai pris ça, donc ça c'est un toner, donc un focus. voilà, une eau florale, donc c'est à la rose et à la camomille. Donc voilà, c'est vraiment cool. 98,9 d'origine naturelle. Donc voilà, j'ai envie de tester, ça a l'air assez bien. Et j'ai pris encore deux produits de cette marque. J'ai pris un peeling visage. Donc comme ça. Et je vais vous montrer. Enfin, faudra que je pose la caméra, je vais vous montrer l'emballage, il est super mignon. Et j'ai pris aussi un contour des yeux anti-puffiness, gonflement si vous êtes des grosses poches, quoi. Ça a l'air assez sympa et c'est à la base de camomille. Donc voilà, et je crois que c'est tout. Voilà, je vais vous montrer les petits packages. Donc voilà, j'aime trop les produits comme ça avec... ce genre de packaging, c'est comme des peintures en fait. L'Occitane, ils font un petit peu ça et j'aime trop, je trouve ça trop mignon. Du coup, voilà, ça c'est le peeling. Et je sais pas si c'est, je crois que c'est écrit en français, ouais, voilà. Je vais faire un petit zoom. Voilà, et ça c'est le contour des yeux. Ils ont l'air vraiment top, je vous ferai peut-être une vidéo première impression dessus. Donc voilà mes petits produits. I'm learning we weren't built to be alone. Let's take our time, 'cause you know we've got all night to slow to now. So walk with me, let's forget the what might be and slow to. Take our time, 'cause you know we.